Emmanuel Charpentier. Emmanuel Charpentier est directeur à l'Institut Max Planck de maladies infectieuses de Berlin. Emmanuel a originellement préparé sa thèse à l'Institut Pasteur, puis effectué un stage postdoctoral aux États-Unis. Son retour en Europe l'a amené à Vienne, en Autriche, à Umeå, en Suède, à Braunschweig, puis Berlin, en Allemagne. Ses recherches sur les bactéries pathogènes, et notamment les streptocoques, et la régulation de l'expression de leurs gènes, l'ont amené à une découverte fondamentale, celle du trac ARN, qui a marqué une étape clé dans le développement de la technologie appelée CRISPR-Cas9, technologie qui permet des modifications ciblées des génomes. Elle obtint le prix Jean-Pierre Lecoq de notre Académie en 2014. Ce prix fut suivi d'une série impressionnante de beaucoup d'autres très grands prix. Nous sommes extrêmement heureux de t'accueillir aujourd'hui. Je te remercie, Pascal. Messieurs les présidents et vice-présidents, mesdames les secrétaires perpétuels, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues et amis, ma chère famille ici présente, que je remercie pour leur soutien. Mesdames, messieurs, sur le fond de cette diapositive, vous voyez des bactéries qui sont appelées Streptococcus pyogenes. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement de m'avoir élu dans ce cercle prestigieux de scientifiques, l'Académie des sciences. Je suis très honorée et c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'adresse également mes félicitations les plus sincères à mes collègues nouvellement élus. Votre décision de m'avoir élu comme membre de votre académie est largement basée sur le travail de mon laboratoire concernant la technologie du génie génétique CRISPR-Cas9, aussi appelé ciseau, couteau suisse ou boîte à outils de l'ADN. Donc vous pouvez voir des ciseaux représentés sur cette diapositive qui coupe de l'ADN. Découverte il y a seulement 6 ans, cette technologie est aujourd'hui considérée comme l'une des percées les plus importantes en biotechnologie. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie. Les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Les perspectives qui accompagnent CRISPR-Cas9 sont très prometteuses, notamment dans le traitement potentiel de maladies génétiques humaines. Et la technologie est déjà utilisée pour relever divers défis agricoles. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que CRISPR-Cas9 n'est pas une découverte que j'avais délibérément planifiée, même si néanmoins elle reflète le chemin parcouru et mes choix de sujets de recherche tout au long de ma carrière scientifique. C'est avec un profond intérêt pour la microbiologie que j'ai reçu ma première éducation supérieure à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Plus tard, ma curiosité sur les micro-organismes et les maladies infectieuses m'a amené à l'Institut Pasteur, où il est finalement devenu clair pour moi que la science fondamentale est au cœur de tout. J'ai pris très au sérieux la devise de Louis Pasteur, « Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Et cette approche de la science a été au centre de mon travail et celui de mon équipe. La scientifique que je suis aujourd'hui, puisque je suis en France, est redevable à cette éducation reçue en France. Donc je tiens à le préciser parce que je n'ai pas souvent l'opportunité de le préciser étant en France. Mais je suis aussi redevable à la chance d'avoir échangé tout au long de ma carrière internationale avec de nombreux scientifiques qui m'ont largement inspirée. Je voudrais à cette occasion mentionner quelques collègues français de l'époque où j'étais étudiante en France, notamment Pascal Cossard, Patrice Corvalin, Claire Poyat, Patrick Triocchio et Philippe Sansonetti de l'Institut Pasteur, Bernard Dujon et Pierre Netter de l'Université Pierre et Marie Curie et Eric Vestov de l'Université de Strasbourg. Et je prie ceux que je n'ai pas mentionnés de bien vouloir m'en excuser. Ce faisant, l'objet de la recherche de mon laboratoire est d'étudier les mécanismes fondamentaux des agents pathogènes humains bactériens dans les processus d'infection et d'immunité, mécanismes qui peuvent être ensuite mis à profit soit pour le développement de nouveaux anti-infectieux, soit pour le développement de nouvelles technologies génétiques. Et CRISPR-Cas9 est un exemple à ce sujet. C'est pendant ma période passée au laboratoire Max Perutz à Vienne en Autriche, puis à l'université d'Umeå en Suède, que mon laboratoire a identifié Tracer RNA, en français TRAC ARN, un composant de nature ARN dans la bactérie Streptococcus pyogenes. Cette découverte m'a amené à CRISPR, un système de défense
qui existent chez les bactéries et qui leur permettent de se défendre contre les infections par les éléments génétiques mobiles, comme les virus. Notre recherche nous a permis à terme de comprendre le mécanisme CRISPR-Cas9 au sein de ce système immunitaire adaptif, de démontrer comment la machinerie CRISPR-Cas9 détecte l'ADN étranger et l'attaque en le détruisant avec une coupure précise. Alors, vous pouvez apprécier la représentation schématique du mécanisme avec les différents éléments du système dessiné. C'est trop compliqué de vous l'expliquer dans le détail, donc vous pouvez juste apprécier les jolis dessins. Dans un deuxième temps, et seulement un an plus tard, nous avons pu exploiter ce mécanisme simple mais sophistiqué comme un outil puissant pour l'édition et l'ingénierie du génome. CRISPR-Cas9 peut être programmé pour cibler, supprimer ou échanger des séquences d'ADN dans n'importe quelle cellule ou organisme vivant. Bien que la science fondamentale soit un travail ardu, les expériences échouent sur une base régulière. Et il faut souvent des années avant que les résultats soient enfin visibles. Le développement de la technologie CRISPR-Cas9 n'aurait pu être obtenu sans une compréhension approfondie de mécanismes fondamentaux de biologie, incluant de la patience, des revirements de situation, une ouverture d'esprit, une préparation à l'inattendu, beaucoup de brainstorming. J'ai regardé sur le dictionnaire, c'est simplement en français, on dit remue-ménage. Et le travail ardu de jeunes talents scientifiques, persistants, enthousiastes et curieux, un travail d'équipe internationale, un travail collaboratif, avec des fonds financiers qui soutiennent ce que l'on appelle « Blue Sky Research », qui en français pourrait être traduit comme « Pensée vagabonde sans frontières ». Je remercie ainsi mes étudiants, postdoctorants, collaborateurs et collègues qui m'ont soutenu et épaulé. Nous sommes chanceux que l'Académie des sciences soit engagée dans l'avancement de la science et prenne la responsabilité d'encourager une vie scientifique dans la société française et au sein de relations internationales. Faisons en sorte d'engager les générations futures à poursuivre le champ de la recherche fondamentale. Je vous remercie pour votre attention.